Salut mes Chubbies, c'est le Conquis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Borderlands 3 avec Flake. On repart de plus belle. Tanis n'a pas tort. Avec les petites aventures de Bobby. Elle a une armée, la carte et mes pouvoirs de sirène. On va avoir besoin de tout. Oh c'est beau. Claptrap, qu'est-ce qu'on a comme info sur Prométhée? Ah, Prométhée, une métropole en vue, résidence de la société Atlas. C'est la planète la plus avancée technologiquement de ce côté-ci de la galaxie. Atlas, hein? On va devoir les convaincre de nous aider à trouver l'Arche avant les Calypso. Recrue, branche la puce d'astronave qu'on puisse mettre le cap sur Prométhée. Très bien. Allez, on se tire d'ici. Accrochez-vous! J'ai installé un moteur à implosion. Ça veut dire qu'il faut être vachement prudent avec... Une seule petite erreur, et ça peut mettre un terme rapide à l'aventure. On s'en fout! Je suis là! Oh, c'est bien ça le problème. Claptrap, non! Claptrap, qu'est-ce que t'as fait? Ça alors, je quel trou de balle! Quelle surprise! C'est quoi ce bordel? On a une faille dans la coque! La pression tombe! Bizarre, je vois plus la faille qu'on avait dans la coque. C'est parce que la dernière chose qui sépare ce vaisseau de l'espace, c'est mon boule. Mon cul a sauvé tous vos culs. Avec la main, franchement. Claptrap, sans déconner. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est fini. Merde, le moteur est HS. L'astronave et la propulsion aussi. Tant que les systèmes seront pas réinitialisés, on va dériver. Ellie, ça va prendre longtemps? T'inquiète, paupiette. Je suis sur le coup. Fais ce que tu peux, mais vite. Chasseur de l'Arche, va voir le reste de l'équipe. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Claptrap, garde... On va aller voir Morice. Tu peux compter sur moi! Sure. Bravo, chasseur de l'Arche! Vous avez trouvé Maurice! Vous allez maintenant accomplir une mission pour lui, avec à la clé une alléchante récompense! Votre espèce aurait plutôt tendance à dévorer les humains de ce vaisseau. Qu'est-ce qui vous rend différent? Là d'où vient Maurice, les Sauriens règnent en maître et l'humanité s'est éteinte. Votre scientifique Tanis s'est proposé d'héberger Maurice dans le cadre de ce qu'elle appelle un programme d'échange culturel. Maurice est venu en paix étudier les traditions et festivités étranges des êtres à sang chaud. Tout ça me semble parfaitement sensé. Vous avez parlé d'une mission? Oui, Maurice a une mission tout à fait alléchante à vous proposer. Le festival de la récolte sanglante a commencé. Les humains adorent les fausses petites terreurs festives. Mais Maurice a entendu parler de véritables apparitions spectrales dans la galaxie. Il faut les étudier. Maurice vous demande un fantôme. Tout ça est parfaitement normal. Où dois-je commencer? Des ennemis hantés sont apparus dans toute la galaxie. Vous allez les chercher, les tuer et vaincre le fantôme intrus. Chercher un fantôme dans la galaxie. Ok. Ok. Bon, on va aller parler à tout le monde. Je crois que c'est en bas. Ok, c'est super. Mais ils sont tous en bas ou c'est quoi le délire là? Pourquoi je vois pas la flèche sur le truc? Encore un coup de claptrap. Tu avais enfermé l'équipage? Et tu veux dire les stagiaires esclaves intergalactiques? Bien entendu, je les ai enfermés dans un placard pour m'assurer leur loyauté sans faille. C'est la base du management.
Je le répéterai pas. Pas d'esclaves. Pas d'esclaves cette semaine, compris. Cette semaine. Recrue, puisque j'ai plus le droit d'utiliser mes cellules de prison, tu peux en prendre une pour t'en faire une chambre. Profites-en bien, recrue. Je passerai peut-être admirer juger ton feng shui plus tard. Normalement, là, ouais, il y a les... toutes les armes que j'ai chopées avec Amara. Ok. On n'avait pas débloqué un nouveau skin, non? Je sais plus. Ouais, si, hein. Qu'est-ce que c'est que ce skin de mort? Allez, va-t'en. Full camp, saloperie. Ma marchandise! Mes splendides outils de destruction! Chasseur de large, vite, fais quelque chose! Merci, mais mon stand de tir brûle toujours! Hop! Il est où? Je le vois pas. Ah merde! Ah, il est là! Je te remercie du coup de main, chasseur de l'arche. Mais t'attends pas à une promo! Mince, sataniste, qu'il faut que j'aille parler. Elle est en haut, elle, non? Ouais, elle est en haut. Il y a quelqu'un? Elle aussi, elle est complètement frappée, là. Suivez le son clinique de ma voix. Tanis, mais où êtes-vous? Ne vous en faites pas pour moi, je vais bien. Je reste au chaud. Le système de contrôle thermique a rencontré un problème pendant la faille. Vous allez devoir le relancer. Je suppose qu'on peut... Ok, parler... d'accord, je me suis trompé de bouton. Une petite seconde. J'arrive tout de suite. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans? C'est étonnamment confortable. Comme un sac de couchage en viande, même si je me sens un peu... visqueuse. Merci d'avoir rétabli une température vivable dans mon labo. Vous devriez aller voir si quelqu'un d'autre a besoin d'aide. Je vous recontacterai si j'ai besoin de faire fesser un autre de mes appareils. De faire fesser un autre de mes appareils. J'ai trouvé le problème. L'accélérateur anthropique a sauté. J'en ai un de rechange dans la soute. Viens me filer un coup de main, tu veux? Pas des munitions. Bah. Oh d'accord, ok, bon, il me faisait pas, ouais. Pff, lol, ok. Un accélérateur anthropique, c'est rien. J'ai des tonnes de pièces de rechange dans la soute. Avec du matos que je gardais spécialement pour toi. Mais en fait, elle est toute petite, en fait, Ellie. Ah non, c'est peut-être Flake aussi qui est grand, quoi. Parce que Flake est vachement grand quand même. Oh la vache! On va devoir limiter la casse en aérant la soute. Là. Bon, et ben, on peut dire adieu au grappin, au jetpack et à toutes les armes pour gaucher. Enfin bon, c'est la vie. Mais si Earl s'est pas fait aspirer dans les profondeurs de l'espace, il lui restera peut-être un accélérateur anthropique. Oh, mais 4 heures à se déplacer, la meuf, quoi. Tonneau, quoi. Un gros tonneau. Earl, réveille ton vieux cul. Le vaisseau est mort. On a besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Un accélérateur anthropique. J'ai pas le temps. Casse-toi! Donne-nous l'accélérateur anthropique, Earl! Je vois pas ton nom sur la porte! Et puis d'ailleurs, c'est quoi ton nom?
Donne-nous la pièce, ou bien je te tords en 8, façon bretzel, et je te trempe le cul dans la mousse au chocolat. Ça me va. Je te la filerai si t'avais un truc qui m'intéresse, mais c'est pas le cas. Alors dégage, parasite. Earl, c'est vraiment pas le moment, l'ancêtre. Me cherche pas. T'as que dalle. Pas de pièce. Earl, espèce de... Bon, écoute, ce vieux cul s'est barricadé. Le mec, le vaisseau, il est en train de péter, lui, il s'en bat les reins, lui. Va voir ma mère dans son bar. Elle garde toujours un peu de liquide pour les urgences. Ellie, voici Ellie, hein. Nous allons voir sa mère, qui ne lui ressemble pas du tout. Le delta entre les deux est quand même assez impressionnant, hein. Je ne vous le cache pas. Et voilà la mère. La mère d'Eli, Moxie. Bonjour. Enchanté. Hey, vous auriez un peu de monnaie ? Ouh. Moi, c'est Moxie. C'est quoi ton petit nom ? Je suis Flak. Et tes phéromones sont... surpuissantes. Si tu le dis. Arrête d'aguicher le nouveau chasseur de l'arche, maman. On est dans la merde. Jusqu'au coude. On a besoin d'Iridium pour réparer le vaisseau. T'as essayé mes machines? Tu toucheras peut-être le jackpot? Non! Me mangez pas! Ah, tout va bien. Oh, c'était juste un cauchemar. Jackpot! Regarde-moi un peu ça. T'as vraiment des doigts de fée. Un iridium, quoi. Tu voudras un trésor. J'ai pas mal d'autres idées de jeu pour nous deux. Bon, très bien. Va donner ce qu'il veut à cette vieille bouse de Earl. Le trésor. Allez, on retourne voir l'autre trou du cul. Ouais, on peut pas descendre par là, c'est dommage. Voir les skins un peu. Nul. 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 Putain, mais franchement, les skins, ils sont vraiment pas ouf, hein. C'est impressionnant, quoi. Ah, y'a... C'est... Ouais, ouais, y'a pas... Quoi ? Y'a rien qui te plaît ? Eh ben moi, c'est ta gueule qui me déplaît ! Dégage ! C'est bon ! Tu peux prendre cette saloperie ! Et surtout, reviens pas ! Eh ben, c'était bien chiant comme il faut ! Allez, va installer cet accélérateur anthropique ! Faut qu'on se bouge le cul ! Ok, bon. On retourne là-haut... Ah, c'est les débuts, hein. Il y a beaucoup de blabla. Si, c'est par là. Hein. Non, c'est en haut, je crois. Ah, c'est plus haut. On peut monter, là. Ouais. Hop. Ah yes, ça ronronne comme un skag avec la panse remplie de bandits. J'en ai un skag là. Sur le pont, chasseur de l'arche, faut qu'on se tire de là. Ok. Ça suffit les conneries. On a visité le vaisseau. Le vaisseau. Regarde ça, c'est mystère.
bonne mine, Faucon Navrant. Va falloir te grouiller d'attendre Prométhée. Faucon Navrant. Ta bonne mine, Faucon Navrant, mon gars. Les vidéos sont vachement bien produites. Ignore-les, on a du pain sur la planche. Chasseur de l'Arche, c'est le moment de partir. Pour de bon, cette fois. Amène-nous sur Prométhée. Bah, il serait peut-être temps, ouais. Parce que nous on veut de l'action là. Allez, Spartouz. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Je vois rien. Mon cul est rempli d'étoiles. On est en un seul morceau. Ça change un peu. C'est quoi ces conneries? Une flotte de Maliwan. Je croyais que c'était une planète d'Atlas. Il y a un truc bizarre, Lilith. Je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir Prométhée dans le viseur. Chasseur de l'Arche, par ici. Écoute, pour ce qui s'est passé sur Pandore, on doit pas laisser quoi que ce soit nous ralentir. Va falloir que tu compenses ce que je peux plus faire. Je peux compter sur toi? Oui, commandant. Nous formons une grande meute. Bien. Et maintenant, on va contacter Atlas. Si quelqu'un sait où trouver l'Arche, c'est bien eux. On a eu un petit boubou. Voyons voir. Explose sur... Ouais. Sans branle. Ok. Je capte aucun signal d'Atlas. Maliwan doit brouiller leur communication. Attends, il y a quelque chose. On dirait un signal de détresse d'Atlas. Quelqu'un a besoin d'aide. On a tout à gagner à avoir l'aide d'Atlas pour trouver cette arche. Si on arrive à les aider, ils nous renverront l'ascenseur. Ou au moins, ils nous laisseront chercher sans nous tuer. L'appel de détresse venait des environs de la ville. Il faut qu'on puisse t'envoyer à la surface, mais on n'a pas accès au réseau de voyage éclair de Prométhée. Je suis déjà sur le coup, Lilith. Chasseur de l'arche, viens me voir dans la soute qu'on discute un peu. Allez, go. On va déjà aussi vendre un peu, j'aurais dû le faire tout à l'heure. On va vendre ce qu'on a dans l'inventaire. C'est de l'autre côté. Et c'est en bas normalement. Hop. Merde. Si c'est bon? Ouais si. Ok. On peut pas augmenter peut-être quelque chose ici? Ah tiens, ça, ça... D'accord. Ça, c'est lié aussi à tous les persos. Pas le reste, par contre. Ok. On va améliorer ça. 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 Tiens, ça aussi. Et ça aussi, voilà. Je suis prêt. Nickel Miguel. C'est pas là. C'est là. Ah. Ah bah non, bah on a pas assez de blé pour... Ok, d'accord. Ok. Non, bah c'est là. Hop. Il faut aller voir Ellie. Chaque fois je me trompe, à chaque fois je vais aller sur la gauche, je sais pas pourquoi. La gauche m'attire. Bonjour. Ok donc, j'ai collé une unité de voyage éclair sur notre module d'atterrissage. Une fois à la surface, elle va se connecter au réseau local et tu pourras revenir quand tu veux. Attention, ce sera tout sauf confortable, digne de confiance ou sans danger pour ta vie. Je te fais juste une liste, hein, c'est pas exhaustif. T'auras qu'à te concentrer sur mes belles meules, j'ai bien grillé. Sur mes belles meules. Maté. Enfin bref, rentre là-dedans, je vais te faire partir. Sur ces gros nibères. Mais les béguères! Pu. Ça, c'est mon casque qui vient de taper le micro. Les Maliwan. On va tous bien ça leur casser la bouche. T'es toujours là, recrue?
Je n'ai pas de bouche et il faut que je vomisse. Bon, au moins t'es en vie. Problématique ça. Tu as réussi à te rapprocher de la ville. Va trouver l'origine de l'appel de détresse. J'aime ton enthousiasme, mon ami. Ça pour une créature minable. Ah voilà. Un petit mob, vous voyez l'aura verte, ça, ça veut dire qu'il a un fantôme. Par contre le viseur de cette arme est pas très ouf hein. Maurice, voilà. J'ai exécuté le vivant. Hop. Comme mort. Ouais, il est pas ouf le viseur, on voit pas grand chose en fait avec ça. What? Voilà, vous apprendre un peu le... vous apprendre un petit peu la politesse là parce que... mais combien ils sont? Il est où? Ça, ça met 1000 ans à recharger là-haut. Non, ah merde. Ça voilà, maintenant à cause de ça j'ai un recul de ouf. C'est relou. Y a un mob, ouais. Voilà. Parfait. Perfect. Hop. Coco super fan. Hello. T'es enfin là. Ça fait des plombes qu'on t'attend. Merci à Lilith pour les pouvoirs. J'adore son truc. Pourquoi ça met 14 ans comme ça à recharger? Ah d'accord, j'ai déjà plus de balles. Non mais... oh, non mais ça m'énerve quand il bouge comme ça partout, oh là là. Niveau 10, nickel. Fuyez, fuyez être misérable. Fuyez être misérable. Ah ouais. Venez me chercher, tonne minable. Elle est quand même vachement balèze la Starm, hein. Ça c'est bien. Ça c'est cool. Mais ces bandits ont des putains d'armes Maliwan. Ah, au fait, je m'appelle Lorelai. C'est Rhys qui t'envoie? Rhys, c'est une chose ou une personne? Les commentaires, quoi, sérieux. Le président d'Atlas, la guerre avec Maliwan. T'es pas d'ici, c'est ça? On a des cinglés qui apparaissent dans toute la ville en hurlant des histoires d'arches. C'est l'œuvre des Calypso. Je cherche l'arche pour les empêcher de prendre son pouvoir. Les Calypso, ces guignols qui encombrent les connettes avec leur secte. Enfin, moi je sais rien sur les arches. Mais Rhys saura sûrement. Allez, viens, je dois justement lui parler de notre petit problème de bandit. Je ferai les présentations. Prends peut-être quelques munitions un peu là. Je vais pas rester là de toute façon. Dis-moi quand tu voudras y aller. Hop. On n'a pas de quoi faire le plein. On n'a pas assez de thunes. Bon, on a un point à débloquer. Fusionnette, non. Enfin, débloquer à mettre.
On va augmenter les dégâts de notre petit pet. Hop. Ok, on va prendre la quête, même si on va pas forcément la faire. Au moins, on l'aura pour la prochaine fois. Pour connecter les gens dans le besoin avec des héros dans ton genre. Et puis, j'ai oublié le mot de passe. Mais ces annonces sont vieilles d'à peine 7 ans. Je parie que ces gens ont toujours besoin d'aide. Et hop. Ou sont encore en vie. Un docteur appelé Is Baron a besoin de ton aide. Il a perdu son matériel. Rends-toi au centre de soins du Mont Chouleur et au boulot. Et ensuite, tout le monde nous aimera et nous admirera pour ce qu'on a fait. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé des roues flottantes, ces bandits? C'est un truc de Maliwan, ça! On va en détruire un. On trouvera peut-être l'origine de ces machins. Et ils sont où? Ah, et là. Oh purée! Super. Je vois un écho dans les débris. Prends-le! Un véhicule de piètre qualité. Un véhicule de piètre qualité. Content Tiens. De voir. Okay. Est-ce que je peux prendre l'iridium ou pas? Cette fois-ci lentement. Ne tue pas les hommes de Maliwan. Ah non, je peux pas. Tuez les hommes de Maliwan! Pour toi! Pour ma reine! Pour ma... Non. Ok. Je suis très fan de ton énergie, mais on a un accord avec Maliwan. Donc non, on ne doit surtout pas les tuer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on croise des hommes de Maliwan? Tuez les hommes de Maliwan! Complètement con, mec. Pour les dieux jumeaux! Complètement idiot, le gars. Mes gars sont à l'intérieur. Laisse-moi leur parler. Eh ben, vous verrez pas ça tous les jours. Marcus... Hé, hey, Skyler! Ouvre, c'est moi! Mot de passe? Le mot de passe, c'est ouvre cette putain de porte ou je t'enfonce un moulin à café dans le trou de balle. Hé, hey, les gars, je la reconnais. Au revoir. Ah, purée, c'est pas possible. Comment ça se passe? Ça bouge pas mal. Les bandits et Maliwan patrouillent ensemble. On a fait descendre les gens dans les tunnels au cas où. Et on a voulu contacter Rhys, mais Maliwan brouille nos communications. Et merde! Merci, Skyler. Suis-moi, chasseur de l'arche. Par là. Ouah, salut! Tu vois ces civils? Maliwan s'en fout qu'ils se retrouvent pris entre deux feux. Ils sont là pour prendre le contrôle d'Atlas et vendre les nouvelles armes de Rhys à leur nom. Pour eux, c'est juste une fusion-acquisition. Reviens-moi quand tu voudras qu'on aille reprendre cette base d'Atlas. Ah bah on va y aller direct ma petite hein. Je vais juste prendre cette quête là en passant. Il me reste Hop. Ok. Comme tu vois, ma vie est merdique en ce moment. Et c'est de compte chez Maliwan, Rax et Max, ils en rajoutent des tartines. Comme s'ils faisaient un concours de crimes de guerre. Il y en a un qui a massacré ma famille. Je sais pas lequel des deux. Trouve le coupable et descends-le. Cet Ordo il t'a raconté que j'avais buté sa famille? Eh ben carrément ouais! Y'a pas plus monstrueux que moi! Tu vas devoir me tuer hein! Eh hey, Max! Regarde s'il y a un chasseur de l'arche à tes trônes! L'explosion ouais, du pet là fait vraiment masse de dégâts quand même hein! Chasseur de l'arche, viens me chercher! C'est vachement fun ça! Putain, il fait quand même vachement de dégâts le pet hein! C'est impressionnant hein. C'est par ici. J'ai besoin de toi, mon ami. Amigo. On approche, prépare-toi. C'est pas des bandits. On a pas un rond en vrai. Maliwan est super équipé. Oula. Attendez. Fort, et ça va bien faire mal. Allez, tiens. Ça, dans un groupe d'ennemis, c'est quand même assez balèze. Allez, les fantômes. Hop.
voir si mon couteau tient son plein. Ils font vraiment mal, hein. Ah ouais. Purée, zéro recul. Il y a du peuple là, hein. Réduis-les en morceaux. Il y en a d'autres aussi sur la droite en plus. Quelques petites munis s'il vous plaît. S'il vous plaît, des munis, s'il vous plaît. Pourquoi ils tombent pas? Ah ouais. Aïe 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 aïe. Hop. Rapportez la bave spectrale à Maurice. Les gars, purée. Ils se foutent devant moi là. Toi là, tu apprécies ton dernier souffle. J'ai déjà plus de munitions. Purée, mais c'est infernal, quoi. Donnez-moi un peu de munitions, s'il vous plaît. Parce qu'on est un peu dans la dèche. Ok. Tiens. Oh la vache. Oui, 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 oui. Nickel. Allez crever, gros tas de merde. Ah oui, quand même, la violence, quoi. La violence de la meuf. C'est parti. On va rouvrir la ligne vers le QG d'Atlas. Redémarre la connexion. Allez. Ok, la connexion au QG d'Atlas est toujours intacte. C'est quand tu veux, chasseur de l'arche. C'est quand tu veux. Ouais, ouais, ouais. Bonjour, c'est toi quand tu veux. Fork, PDG et général de guerre de la société Atlas. J'aurais juste une question. À qui je parle et comment avez-vous eu ce numéro? Rhys, du calme, c'est Lorelai. On a repris la base Limon avec un peu d'edge. Une petite seconde, c'est quoi cette chose sur ta tronche là? Oh, ça, c'est ma moustache de guerre. Les troupes adorent. Mais dis-moi, c'est qui ça avec toi? Je suis un chasseur de l'arche et un pillard écarlate. Chasseur de l'arche? Pillard? Oh merde, oui! T'as amené combien d'hommes? 20 000? 50 000? Un peu moins. Ma meute n'est pas grande, mais elle fait beaucoup de victimes. Un peu moins, ouais, deux. Quoi? Oh, allez,
confiance, Rhys. Tu peux. Et on a besoin de toute l'aide possible. Des bandits ont débarqué en ville, et ils collaborent avec Maliwan. On dirait que Katagawa a passé un accord avec les Calypso. Super! Tout le monde se ligue contre nous. Eh ben, la recrue, on peut dire que tu tombes à pic. Mon meilleur agent se prépare à attaquer le cerveau cosmique de Maliwan. S'il cherche vraiment l'arche, c'est là qu'on trouvera les infos. Va rejoindre mon gars. Terminé. Je vais voir l'agent Driss, je vais remettre cette base en état et commencer à nettoyer la ville. Avant que tu y ailles, j'ai un petit truc pour toi. On peut toujours pas faire le plein, non, on n'a pas assez de boulets. J'ai des balles avec ton nom dessus. Enfin, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Tu reviendras. Ok. Puisque tu pars en ville, je vais te filer un truc à nous. Un cyclone. C'est rapide et léger, idéal pour arpenter les rues. T'auras qu'à l'essayer. On profite pour prendre la quête aussi. Ça te dirait qu'on ramène la civilisation dans cette ville ruinée par la guerre ? Et du coup, là, on va se prendre le petit cyclone. Le café. Je suis complètement claqué. Et quand un commandant fait des erreurs, c'est les troupes qui payent. Ou Thor. Et je crois que mes gars cracheraient pas non plus sur une tasse. Va au café Rise and Grind, qu'on se mette au boulot. Vladov. On va prendre celui-là, tiens. On n'a rien d'autre à mettre, non. Ok. Ok, bon bah mes petits bobeyes, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Pas trop mal quand même hein, tout ça. Fleck est pas mal. Hein. Le build là que je veux me faire, j'ai l'impression qu'il va être, sympathique. Hein. Je pense que ça va être surtout spéradiation, regardez-moi cet abruti. Ça va être surtout sur concentré sur la radiation, je pense. Il y a moyen qu'à haut niveau ça fasse quelque chose de vraiment cool. Notamment en plus ce que j'ai vu par rapport à la vidéo en plus. Hein, le mec quand même envoyait pas mal du lourd. Donc ça, en plus c'est un build que... Enfin j'ai choisi ce build là parce que ça, c'est un build qui me plaît beaucoup. Enfin qui a l'air d'être sympatoche à jouer etc. Donc on va voir ça. On va voir au fur et à mesure ce que ça va donner. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.